Ce matin, on a eu la chance pendant 1 heure et demie d'avoir Max à nos côtés et vraiment, cette conférence, elle était enrichissante à tout point, que ce soit sur le niveau émotionnel, il nous parle aussi de l'influence de nos émotions qui vont se traduire dans notre corps, notre manière de penser, dans notre attitude, pour ensuite aller plutôt sur le domaine entrepreneurial, sur nos rêves, sur nos passions, sur comment on veut faire vivre nos projets. En tout cas, si aujourd'hui vous posez des questions sur qu'est-ce qui bloque, quels sont mes freins, quelles sont mes limites, pourquoi, comment les améliorer aussi, je vous encourage mais fortement à le suivre, à l'écouter, à l'encourager aussi. Vous posez des questions, regardez 1 ou 2 vidéos. Je pense que vous pouvez vraiment avoir des super clés pour en fait vraiment débloquer ces situations. J'espère vraiment que vous suivrez ce conseil. À bientôt. Savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez, pas ce que les parents veulent pour vous, pas ce que les professeurs veulent pour vous, je suis désolé, mais il faut le dire. Pas ce que les gens veulent pour vous, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette terre? Si vous avez un désir, même depuis petit, c'est ça en fait. C'est là où il faut aller. Vous voulez être danseuse étoile, mais faites-le. Prenez des cours, vous voulez chanter, faites-le. Peu importe ces gens disent, ma tante, voice, là, mais peu importe. Vous allez faire mieux que ton voice. Vous allez peut-être même créer votre école. C'est ça, toujours voir loin. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire le coaching, on m'a dit, moi, tu sais, coach de vie, Max, franchement, pour en vivre, il n'y a que 2% qui ont envie. Il y a vraiment 2%. Ben, je dis, moi, je vais faire partie des 2%. Ah, conférencier professionnel, tu peux voir ça aux États-Unis, là-bas. Ouais, les gens, ils aiment ça, les conférences et tout. Je dis, je vais vivre de ça.